D'Algérie, le Jules Verne transporte en France du gaz saharien selon les accords passés en 1962 avec le gaz de France, accord portant sur 500 millions de mètres cubes annuels. Les besoins en hydrocarbures dans le monde vont doubler d'ici 1970 et l'on considère que c'est quelque 500 milliards de mètres cubes qui pourraient être vendus à l'Europe au rythme de 20 milliards par an pendant 25 ans. Vous qui partez ou revenez de vacances, vous utilisez peut-être aussi du pétrole saharien qui entre pour 50% dans la consommation française. D'où viennent ces hydrocarbures? D'un coin de ce désert saharien dont la température varie à cette époque-ci entre 45 et 50 degrés à l'ombre. Cette terre brûlée par le soleil s'étend à perte de vue. Pourtant, à quelque 650 km d'Alger, un îlot de verdure qui n'existait pas il y a une dizaine d'années a surgi. C'est Hassi Messaoud, siège de deux grandes sociétés pétrolières, la SN Repal et la CFPA. Cette oasis artificielle est un monde à lui seul. Il en existe d'autres, mais celui-ci est le plus grand, le plus confortable. Tous les logements sont climatisés, il y a piscine, cinéma, restaurant. Le temps est venu d'appliquer nos propres choix. J'ai le plaisir d'annoncer officiellement, au nom du gouvernement et du Conseil de la Révolution, qu'à partir d'aujourd'hui, nous avons décidé de prendre 51% des avoirs des compagnies pétrolières françaises. Bonsoir à tous et bienvenue, c'est Dérive sur BFM Télévision. Dérive comme les deux rives de la Méditerranée qui nous rapprochent, dérive comme certaines exactions qui concernent l'argent et l'argent du pétrole notamment. C'est ce dont nous allons parler ce soir avec mon invité Ossine Malti, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le bienvenu sur BFM Télévision. Merci. Spécialiste du pétrole, vous avez été vice-président de la Sonatrach de 1972 à 1975. Mais vous faites partie de cette jeune ossature de cadres supérieurs qui ont fait partie de la naissance de la Sonatrach. C'était le dernier jour de l'année 1963. Et vous avez connu deux directeurs généraux à la Sonatrach quand vous étiez aux affaires. Oui, j'ai connu le premier directeur général de la société, donc Belaïd Abdeslam, et Rosalie qui avait pris la suite. Là, tous deux ont été ministres de l'énergie plus tard. Oui. Autant dire qu'en fait, finalement, quand on regarde l'histoire du pétrole de l'Algérie de ces 50 dernières années, qu'il y a eu peu d'hommes qui l'ont fait. En tout cas, peu d'hommes à leur tête. Oui. Enfin, il y en a eu surtout un qui a marqué nettement la scène pétrolière algérienne, c'est Belaïd Abdeslam. Hein. Il est resté pendant quoi, de 1963 jusqu'en 1979. Il est resté soit PDG de la Sonatrach, puis ensuite ministre de l'énergie. Et donc, il a bien marqué le secteur. Puis, bon, Rosalie, lui, est passé plutôt rapidement. Et ensuite, bon, il y a eu toute une série de... Je crois qu'ils en sont actuellement au 10e ou 11e PDG de la Sonatrach. Alors, vous publiez vos souvenirs, l'histoire secrète du pétrole algérien aux éditions La Découverte. L'histoire secrète du pétrole algérien est liée à la Sonatrach dont nous parlons. C'est le mythe algérien, l'entreprise de tous les Algériens. Quelle place elle représente aujourd'hui, la Sonatrach, en Algérie? Ah ben, là, c'est grâce aux revenus du pétrole que le peuple algérien, dans sa totalité, vit des ressources pétrolières
qui sont générés par la Sonatrach essentiellement. Pétrole, hydrocarbures, on va donner un chiffre. Hein. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente les hydrocarbures en Algérie? Ça représente 98% des importations. Et comme tout est importé, donc on peut dire que 98% de ce que consomme le peuple algérien est couvert par les recettes pétrolières. Alors votre livre s'arrête à l'affaire de la Sonatrach, l'affaire qui explose en ce début d'année 2010. Qu'est-ce qu'elle évoque cette affaire pour vous? Est-ce que c'est une volonté de faire le ménage, peut-être d'apporter plus de transparence? Ou est-ce que c'est autre chose qui se dessine derrière cette affaire? Une affaire qui quand même a coûté leur place au PDG, trois vice-présidents et au ministre, l'ancien ministre de l'énergie, Chakib Khelil. Cette affaire qui a éclaboussé donc la Sonatrach en janvier de cette année, de 2010, n'est que la conséquence, ou plutôt que la fin de toute une série d'autres scandales qui ont été plus ou moins camouflés. Et là, bon, ça a éclaté au grand jour, parce qu'en réalité, beaucoup plus qu'une recherche de la vérité, beaucoup plus qu'une opération même propre, il s'agit d'un règlement de compte entre clans du pouvoir, c'est tout. Mais c'est-à-dire, pour être plus précis, vous savez, le pétrole et l'argent du pétrole, c'est le nerf de la guerre, hein, comme on dit. Et les gens du pouvoir utilisent cet argent du pétrole, d'abord pour s'enrichir, pour enrichir leur entourage, etc. Et puis surtout pour renforcer leur pouvoir, en achetant des soutiens, en finançant des partis politiques à l'étranger, y compris en France. Par exemple. C'est intéressant. Il y en a eu des scandales. On en a parlé il y a encore quelques années, 7-8 ans, on a parlé des réseaux de M. Pasqua, etc. Enfin, la France-Afrique, la France-Algérie, voilà. Aujourd'hui, avec le scandale de la Sonatrach, c'est la victoire de quel clan sur quel autre clan? Au sein du pouvoir algérien, il y a deux clans. Il y a le clan du président et il y a le clan des généraux qui ont nommé ce président. Bon, ils se disputent donc le pouvoir. Le clan des généraux est piloté par le département du renseignement et de la sécurité, donc les services secrets, le DRS. Et incontestablement, c'est la victoire du DRS sur le clan du président. L'enquête de départ est diligentée par le DRS. Diligentée par le DRS. Qui décapite la tête de la Sonatrach. Oui, mais avec un but bien, bien précis, c'était de prendre la direction de la Sonatrach. Parce que jusque-là, ils avaient perdu depuis l'arrivée de Bouteflika. Exactement. Avec M. Khelil, qui était donc ministre de l'énergie, qui est un ami d'enfance de Bouteflika, donc à eux deux, ils contrôlaient totalement le secteur de la Sonatrach. Le dernier PDG qui avait été nommé par le DRS et qui était l'homme du DRS a été dégommé dès 2001, donc deux ans après l'arrivée de M. Bouteflika au pouvoir. Et puis, bon, toute une série de choses et les relations avec les États-Unis qui ont joué un rôle. Il y a toute une série de choses qui ont fait que le DRS tenait à récupérer la Sonatrach, à reprendre le contrôle de la Sonatrach. On peut dire aujourd'hui, en 2010, c'est ce qui est en train de se passer. Exactement. Et donc, pour prendre ce contrôle, il fallait se débarrasser de Khelil, du ministre, et de son équipe. Alors, on a trouvé ce motif-là, les détournements, alors que, bon, des corrompus et des corrupteurs, il y en a des deux côtés. Hein, dans les deux clans, mais cette fois-ci, c'est celui-là qui a gagné. Il y aura une commission d'enquête? Ah non, je doute. Non. Ça se terminera là-dessus. Et puis voilà, le but c'était de récupérer la Sonatrach. Maintenant ils l'ont, donc ça y est, c'est fini, on n'a plus besoin d'aller plus loin. Chakib Khelil est où aujourd'hui? Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Il est toujours en Algérie? Je pense, j'ai entendu dire qu'il serait quand même encore en Algérie. Visiblement, on lui a pas encore tout à fait laissé les mains libres. On ne l'a pas laissé encore partir apparemment, puisqu'on continue plus ou moins, c'est le DRS qui continue encore à enquêter, à chercher lui chercher des poux dans la tête. Quoi. L'histoire secrète du pétrole algérien, c'est une histoire passionnante puisqu'on voit dans votre livre comment l'Algérie est devenue une nation pétrolière en 50 ans, alors qu'elle n'en avait pas du tout
l'apprentissage. À l'indépendance, les Algériens ne savent pas faire de pétrole, en gros, en 62. Bien entendu. Donc ça commence en 56, par un coup de chance. Un coup de chance, non. Non, il y a eu des travaux qui ont été entrepris. Il y a des géologues qui ont travaillé en Algérie. Et entre autres, il y en a un qui est fameux, c'est M. Kilian, qui encore dès les années 20 avait commencé à chercher du pétrole en Algérie et qui avait on était sûr qu'il y en avait. Bon, on n'avait pas encore les techniques nécessaires. Exactement. On ne savait pas exactement où aller le chercher, mais on était certain qu'il y avait du pétrole. Et puis bon, finalement, c'est la SN Repal qui a été la compagnie qui a découvert le pétrole. En 1956, la Repal a été créée bien avant. Elle a été créée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Mais si on prend la découverte de la Cimé Saoud, il y a un coup de chance ou pas? Parce que vous dites quand même dans votre livre, dans toute découverte de pétrole, de gros gisements, il y a quand même une part de chance. Parce que la technique pétrolière, le pétrole, on n'est jamais certain qu'il y a du pétrole. On sait où il y a des structures qui sont potentiellement porteuses de réserves pétrolières. Mais on n'est pas certain d'avoir du pétrole. Parce que pour qu'il y ait du pétrole, il faut un certain nombre de conditions, entre autres des conditions de porosité, de perméabilité, enfin des conditions géologiques que l'on peut déterminer. Donc connaissant, à partir du moment où on a ces indices, on se dit qu'il y a peut-être du pétrole. Et à ce moment-là, il faut aller forer. Et on en trouve ou on n'en trouve pas. Et voilà, et dans le cas précis d'Assimé Saoud, on en a trouvé. À Ejlé également, enfin la première découverte, c'était encore plus au sud que Messaoud. Et il faudra attendre les années 90 pour qu'il y ait une autre grosse découverte en Algérie, dites-vous. Et là, c'est une entreprise texane d'ailleurs, hein, qui a le nez creux. Oui, c'est c'était. Là, c'était. C'était pas tout à fait du hasard dans ce cas précis parce qu'il y avait déjà eu des travaux tout autour. Donc on savait que c'était une zone potentiellement riche en hydrocarbures. Et c'était à qui aurait le droit d'aller forer dans cette région-là. Ils ont été aidés dans leur chance, en fait. Voilà. C'est une question qui intéresse tous les Algériens, mais du pétrole, il y en a encore pour combien de temps? Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'on peut le chiffrer? Il y a une théorie que l'on appelle la théorie du pic pétrolier. Et ça fait déjà une cinquantaine d'années que des scientifiques un peu partout disent ça y est, on a atteint le pic pétrolier, c'est-à-dire la production maximum après, au-delà de laquelle la production mondiale ne peut que commencer à chuter. Selon cette théorie, donc on atteint un maximum, puis ensuite un plateau qui dure à peu près une dizaine d'années, et au bout de 10 ans, ça commence à chuter pour revenir vers le... Bon. Et on l'a annoncé déjà pour 1938, on l'a annoncé pour 1950, on l'a annoncé et le dernier pic pétrolier aurait dû avoir lieu dans les années 70 ou je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, il y a d'autres théories qui disent non, ce sera encore peut-être dans une dizaine d'années. Bon, personne ne le sait finalement. Puisque on ne sait pas, mais l'Algérie a du pétrole pour 50 ans, 100 ans? Je ne sais pas. Personne ne peut y répondre parce que d'abord, il y a le Sahara. Il y a la Méditerranée aussi, les recherches en mer, il n'y en a pas eu en Algérie. Tout est encore possible. L'ergue occidentale, toute la région du Sahara occidental est pratiquement vierge. Il y a eu des travaux d'exploration, mais rien de très sérieux. On peut encore y découvrir beaucoup de choses. Alors on découvre du pétrole en Algérie en 1956 à Assimé Saoud. Comment le pétrole va peser sur la résolution de cette guerre d'Algérie du côté français déjà? Il faut dire que la France à ce moment-là importait 100% de sa consommation en pétrole de l'étranger. Et donc avec la découverte de ce pétrole français, donc la France était de moins en moins dépendante, mettons, de l'étranger. En 1962, il n'y avait plus que 80% des besoins de la France en pétrole qui étaient importés. Donc, en 1956, quand on a découvert le pétrole, on s'est dit il faut essayer de garder le Sahara. Si on peut garder l'Algérie
dans sa totalité française, ce serait parfait. Sinon, on se contentera du Sahara. On se contentera du Sahara. Alors comment est-ce qu'on fait pour garder le Sahara? Là, on a créé une structure que l'on a appelée l'OCRS, donc l'Organisation commune des régions sahariennes. C'est un organisme qui dépendait d'un ministère du Sahara qui a été créé spécialement en 1956, du temps d'un gouvernement socialiste de M. Guy Mollet. Et cet organisme avait pour mission de développer donc la recherche pétrolière au Sahara, mais en même temps, on voulait faire du Sahara une entité distincte. Alors, les pays riverains commençaient à obtenir leur indépendance, le Niger, le Mali, etc. Bon, l'Algérie est venue beaucoup plus tard, précisément à cause de ce pétrole. Et on a essayé avec ces pays-là et avec une Algérie qui aurait pu être indépendante, mais une Algérie distincte du Sahara, donc exploiter plus ou moins en commun. Et tant et si bien que l'on a même passé une loi qui a changé le statut juridique du Sahara. Le Sahara, qui était jusqu'en 1956, juridiquement avait le statut de zone saharienne de l'Algérie, sont devenus les départements sahariens du Sahara. Enfin, on a modifié complètement la structure juridique et c'est avec ce tour de passe-passe que l'on a séparé l'Algérie du Sahara. On a ensuite créé donc fait des lois pour l'exploitation de ce pétrole. On a fait ce que l'on appelle le code pétrolier saharien. Donc, comme son nom l'indique, c'est le code, ce sont les lois qui régissent donc l'exploitation du pétrole au Sahara. Et ce code pétrolier saharien prévoyait entre autres, dans une de ces lois, la possibilité de transporter le gaz et le pétrole saharien à travers l'Algérie. Donc l'Algérie était bien un territoire distinct. Ce qui fait que tant que cette clause subsistait, enfin, ou tout au moins cette envie de séparer le Sahara de l'Algérie subsistait, du côté algérien, du côté du FLN, on ne pouvait pas signer un accord quelconque avec l'État français. Mais est-ce qu'on peut dire que la question pétrolière a pris du temps et a fait que la question de la guerre d'Algérie a duré plus longtemps? Certainement. Puisque les découvertes ont eu lieu en 1956, tout de suite, en janvier 1957, on a procédé donc à cet éclatement de l'Algérie en deux entités distinctes, et la guerre continue encore jusqu'en 1962. Et la meilleure preuve, c'est quand le général de Gaulle, le 5 septembre 1961, a déclaré officiellement au cours d'une conférence de presse que l'Algérie faisait partie intégrante, que le Sahara faisait partie intégrante de l'Algérie, que les choses sont allées ensuite très vite. Il a fallu quelques mois pour que l'on aboutisse aux accords d'Évian qui ont donc scellé l'indépendance de l'Algérie. C'est clair, ça a duré plus longtemps. Il y en a qui disent que ça a duré 2 ans, 3 ans de plus, il y en a qui disent que ça a duré 6 ans de plus. Bon, il est certain que la guerre a duré quelques années supplémentaires. À cause de la question pétrolière. À cause du pétrole. À l'indépendance, est-ce que le pétrole algérien devient indépendant? Pas tout à fait. Sur le plan officiel de la souveraineté, oui. Le Sahara étant donc faisant partie de l'Algérie, donc tout ce qui s'y trouve relevait de la souveraineté de l'Algérie. Mais on a créé donc à Évian un organisme commun, un organisme paritaire au sein duquel les deux États, l'Algérie et la France, étaient représentés à parts égales, que l'on a appelé l'organisme saharien, auquel on a confié la mission de gérer les hydrocarbures en Algérie. Et c'est donc cet organisme au sein duquel la France détenait 50% du pouvoir de décision qui gérait. Donc il y avait une co-souveraineté. Ce n'était pas l'Algérie toute seule, c'était les deux États en même temps qui géraient ce pétrole. Ça a été ainsi jusqu'en 1965. Et en 1965, il y a eu un renouvellement. Avec l'accord d'Alger. Le Sahara étant en territoire algérien, un code pétrolier faisant suite aux accords d'Évian avait réglé entre les sociétés pétrolières et le gouvernement algérien les conditions d'exploitation. Selon ce code,
l'Algérie prélevait 50% des bénéfices effectués par les sociétés. Par contre, celle-ci avait la possibilité de différer pendant 5 ans une partie de ses impôts pour établir un fonds de reconstitution de gisements. Ce code pétrolier n'est plus valable à partir du 29 juillet. Il a été remplacé par de nouveaux accords franco-algériens. Ces accords ont été signés hier à Alger, en présence de M. De Breuil, secrétaire d'État chargé des affaires algériennes, et M. Bouteflika, ministre algérien des Affaires étrangères. Il a fallu 20 mois de discussion pour arriver à cet accord. Monsieur Abdeslam, le nouveau ministre algérien de l'Industrie, a suivi pendant 20 mois les discussions de ces accords franco-algériens. Nous l'avons rencontré à Alger. Quelle est la portée politique de cet accord entre nos deux pays? Je crois que la portée politique immédiate, c'est que la coopération est en bonne voie entre l'Algérie et la France. Maintenant, par-delà les rapports entre les deux pays, on peut considérer qu'il s'agit là d'une tentative très intéressante, d'une normalisation de rapports économiques entre un pays en voie de développement et qui fut colonisé et un pays industrialisé et qui était le pays colonisateur. Le but vers lequel nous tendons, c'est d'arriver à situer nos rapports sur un plan de stricte égalité et dans le respect mutuel à la fois des intérêts, des aspirations et des options de chacun. L'accord d'Alger qui a été signé donc le 29 juillet 1965, mais qui n'a fait que prolonger cette situation sous un autre maquillage, je dirais. On a supprimé donc cet organisme saharien, mais on a créé, à ce moment-là, on a créé un nouvel organisme que l'on a appelé l'association coopérative. Et comme son nom l'indique, c'était une association entre les compagnies nationales des deux États, une compagnie nationale française et une compagnie nationale algérienne, donc la Sofrepal, qui était une filiale de l'ERAP d'un côté, et la Sonatrach de l'autre, auquel on a attribué une superficie de 180 000 km² qui leur était réservée uniquement à elles deux, à ces deux compagnies-là, et sur laquelle elles pouvaient donc rechercher, explorer, rechercher du pétrole, en découvrir et l'exploiter éventuellement, toujours à concurrence de 50-50, toujours 50% pour chacun des deux États. Donc à nouveau, c'était le même schéma, encore une fois, la co-souveraineté. La différence par rapport à l'organisme saharien, c'est que cette fois-ci, ce sont des compagnies qui étaient en jeu et la Sonatrach, donc la compagnie algérienne, pour la première fois, pouvait intervenir sur le terrain. Donc, ce rôle d'opérateur, ça c'était une avancée quand même importante de l'accord de juillet 65. Alors, on parle de la Sonatrach qui voit jour le dernier jour, enfin, qui naît le dernier jour de l'année 1963. Comment est-ce qu'elle naît, la Sonatrach? Qui c'est qui la veut? Qui c'est qui la veut? C'est l'État algérien, bien entendu, qui veut créer son entreprise. L'idée était dans l'air, hein, déjà depuis un certain temps. Il dit, il y a du pétrole, bon ben pour l'exploiter, il faut un outil. Et cet outil, c'est une compagnie qu'il faut créer, une compagnie nationale. Bon, l'élément déclencheur qui a amené la création de l'entreprise, c'est ce que l'on appelle cette affaire Trapal. Alors, c'est quoi l'affaire Trapal? D'abord, Trapal, c'est elle-même est une association de plusieurs compagnies pétrolières françaises, donc qui travaillaient au Sahara, et qui se sont associés au sein d'un consortium qu'ils ont appelé Trapal, pour le transport de pétrole en Algérie, hein, tout simplement. C'est l'abréviation donc de tout cela. Et ce consortium Trapal avait pour mission de construire un nouvel oléoduc, parce que l'oléoduc d'Assimé Saoud à Béjaïa, Bougie à l'époque, était saturé. Et il fallait donc en faire un nouveau, et cette entreprise-là devait construire ce nouvel oléoduc. Évidemment, l'étude avait mûri, ce qui avait abouti à la décision donc de construire cet oléoduc en 1962, à peu près en,
au moment des négociations d'Évian, grosso modo, en avril-mai. Et donc, tout de suite, l'indépendance de l'Algérie, Trapal s'est présenté, a présenté une requête, une demande au gouvernement algérien, une demande d'autorisation de construction de cet oléoduc. Des négociations se sont enclenchées entre les deux parties. Les Algériens ont dit « Ok, nous vous accorderons cette autorisation, mais nous voulons 50% de participation dans l'oléoduc. » Les Français ont dit « Non, d'abord, non, on voudrait être tout seul, et puis bon, on veut bien vous accorder 10%. » Bon, les discussions traînaient, et finalement, les Algériens se sont dit « Pourquoi nous ne ferions pas nous-mêmes cet oléoduc ?» Et pour construire un oléoduc, il fallait un outil, il fallait un organisme pour le gérer, le construire, etc. D'où l'idée de créer la Sonatrach. D'ailleurs, le contrat de construction de l'oléoduc a été signé avec une entreprise britannique avant même la création de la Sonatrach. Il a été signé en 1963, mais bien avant la création de la Sonatrach. Et donc, le 31 décembre 1963, la Sonatrach a vu le jour officiellement. Et son but, c'était uniquement le transport des hydrocarbures et la commercialisation des hydrocarbures. C'est même l'abréviation elle-même, Sonatrach, ça signifie Société Nationale de Transport et de Commercialisation des Hydrocarbures. Donc, c'est comme ça que la Sonatrach est née. Alors, qu'est-ce qui va changer avec l'arrivée au pouvoir du président Boumédienne après le coup d'État de 1965? Vous vous dites de lui que c'est un bâtisseur. Quel rapport avait-il avec l'argent du pétrole? D'abord, il a tout de suite compris l'importance, la puissance que l'Algérie pouvait détenir, et lui en tant que président, bien entendu, grâce à l'argent du pétrole. Donc, pour renforcer son pouvoir et en même temps pour développer le pays, parce qu'il a quand même fait des choses dans ce domaine, il fallait donc développer la Sonatrach. Et c'est un peu cela qui explique, si vous voulez, la Sonatrach a connu un grand développement à ce moment-là, surtout compte tenu du fait que c'était une société en gestation. Le nombre de choses qui ont été réalisées était probablement inférieur au point de vue du volume en argent ou autre de ce que l'on réalise aujourd'hui, mais sauf qu'à l'époque, il y avait un petit noyau de personnes. Aujourd'hui, il y a 120 000 personnes qui travaillent à la Sonatrach. Et donc, je dis qu'il a été bâtisseur parce qu'effectivement, il a réalisé toute une série de choses, et dans le domaine pétrolier et dans d'autres secteurs. Bon, mais néanmoins, Boumédienne était un dictateur, incontestablement. Et le pétrole, c'était lui et uniquement lui, l'argent du pétrole. Personne ne pouvait s'en mêler, ni avait droit de regard là-dessus. Alors, vous révélez dans votre livre des côtés méconnus, des aspects de négociation entre les Algériens et les Américains, cette forme de diplomatie parallèle qui s'est développée sous Boumédienne. Et Boumédienne, pour négocier avec les Américains, fait appel à deux hommes. Il y a eu la guerre des six jours. Et au lendemain de la guerre des six jours, l'Algérie a rompu ses relations diplomatiques avec les États-Unis. Et ces relations sont restées rompues jusqu'en 1974. Donc pendant 7 ans, il n'y avait pas de relations diplomatiques. Et par conséquent, officiellement, il n'y aurait pas dû y avoir, ou presque pas, de relations économiques non plus, ou autres, avec les États-Unis. Néanmoins, Boumédienne voulait quand même créer et renforcer ces liens économique avec les États-Unis, parce qu'il faut dire que dans le domaine pétrolier en particulier, jusque-là, il y avait juste un face-à-face algéro-français. Il n'y avait que les compagnies françaises et la Sonatrach. Et donc, du côté algérien, on était toujours en difficulté parce que, d'abord, parce que on n'avait pas il n'y avait pas le choix, il n'y avait pas un éventail plus grand de compagnies. Donc on a essayé d'attirer les compagnies américaines, mais les accords passés avec les Français limitaient quand même le pouvoir de décision du côté algérien. Bon, si vous rajoutez à cela donc la rupture des relations diplomatiques, le seul moyen qui lui restait, c'était d'essayer d'établir des relations plus ou moins secrètes avec les États-Unis. C'est ce qu'il a fait, et il a utilisé essentiellement un homme,
son meilleur ami et son unique ami. Boumediene n'a eu qu'un seul ami dans sa vie, c'est celui-là, qui s'appelle Messaoud Zega. Il a utilisé cet homme-là pour établir des relations avec lui. Rachid Kaza, de son totem, qui lui avait sauvé la vie. Alors, Zega lui a sauvé la vie, effectivement. Il a caché à Casablanca, je crois, dans un appartement qu'il avait loué parce que, Boussouf, qui était le patron déjà des services secrets, avait voulu se débarrasser de Boumediene. Il voulait l'exécuter. Hein. Bon, vous dites qu'il utilise aussi un autre homme qui s'appelle Chérif Guelal, qui avait été le premier ambassadeur algérien à Washington. Oui, alors celui-là, c'était pas tout à fait l'homme de Boumediene, mais enfin, il servait de relais, oui. Oui, le Chérif Guelal, lui, c'était le premier ambassadeur à Washington. Et c'est quelqu'un qui avait réussi à créer de très bons contacts avec la société américaine, avec les milieux politiques, les milieux universitaires, les milieux industriels américains. Et donc, les relations diplomatiques étaient interrompues, il n'y avait plus d'ambassadeur à Washington. Il se trouve que là aussi, les zizanies internes au régime, M. Bouteflika, qui était déjà à ce moment-là ministre des Affaires étrangères, l'a limogé, simplement, il ne voulait plus de lui. Et Abdeslam, qui était ministre de l'énergie, l'a récupéré et l'a nommé représentant de la SONATRACH à Washington, enfin aux États-Unis, et donc a utilisé tous les contacts et tout le carnet d'adresses qu'il avait, ce monsieur. Et de l'autre côté, Messaoud Zega, donc l'homme de Boumediene, lui faisait la même chose à un niveau encore plus élevé, puisque lui, il avait accès alors carrément à la Maison-Blanche. Et les messages passaient. Vous racontez cette anecdote incroyable de cet astronome américain qui vient en visite officielle, enfin pas officielle, qui vient en visite en Algérie, porteur d'un message. Oui, oui, Frank Borman, et qui était l'invité de la SONATRACH. Il n'a pas l'invité de l'État algérien. Et la SONATRACH l'a invité officiellement pour venir raconter son aventure spatiale. Donc il a fait une ou deux conférences, il a présenté un film, des images, etc. Donc c'était ça le but officiel, le but annoncé. Mais en réalité, Borman était venu, parce qu'à ce moment-là, il y avait la guerre du Vietnam qui était en cours. Les Vietnamiens avaient pris des prisonniers américains. Et c'était le grand problème pour les Américains, c'était d'abord de récupérer la liste des prisonniers. Ils ne savaient pas combien de prisonniers américains détenaient les Vietnamiens, et encore moins les noms. Ils ne savaient pas s'ils étaient morts, s'ils étaient vivants, etc. Et les Vietnamiens ne voulaient pas leur donner cette liste. Et les Américains ont demandé, donc, par le biais de Borman, qui est venu à Alger, qui a rencontré le président Boumediene et qui lui a transmis ce message de M. Nixon, à savoir, est-ce que vous pourriez, vous, Algériens, intercéder auprès des Vietnamiens pour qu'ils vous fournissent cette liste. Et, les Algériens ont fait. Ce que les Algériens ont fait. Et par la suite, c'est M. Zega qui est allé aux États-Unis remettre cette liste aux Américains. Et officiellement, aux yeux du monde entier, c'était un Algérien qui a joué le rôle de bienfaiteur, hein, qui a obtenu cette liste de prisonniers qu'il a fournie aux Américains. Bon. En réalité, c'était un donnant-donnant, et en contrepartie, les Américains ont consenti un certain nombre de choses. Ils ont fourni du blé à des prix très bas aux Algériens, des crédits, enfin, toute une série de choses. Le temps est venu d'appliquer nos propres choix. J'ai le plaisir d'annoncer officiellement, au nom du gouvernement et du Conseil de la Révolution, qu'à partir d'aujourd'hui, nous avons décidé de prendre 51% des avoirs des compagnies pétrolières françaises. Telle est la décision que je désirais annoncer en cette occasion, au nom de la Révolution, au nom du gouvernement, et au nom du peuple algérien. Alors, le coup d'éclat du président Boumediene, c'est la nationalisation surprise des pétroles algériens. C'est-à-dire qu'il y avait eu
une première vague de nationalisation quelques années avant, après la guerre de six jours. Et là, en 71, le président algérien, sans prévenir personne, d'ailleurs, décide la privatisation du pétrole algérien. Comment est-ce que vous l'apprenez, vous ? Ah, par hasard, comme on le sentait. Hein, vous étiez vice-président. Non, pas encore. Vous n'étiez pas encore vice-président. Non, je n'étais pas encore. J'étais président de la Repal à ce moment-là. J'étais directeur général de la Repal. On sentait qu'il y avait de la nationalisation dans l'air. Ça faisait déjà un an et demi que des négociations duraient pour la révision de l'accord d'Alger de juillet 65, dans lequel il était prévu qu'il serait révisé au bout de 5 ans, donc en 1970. Les négociations ont démarré déjà en 69 et ont duré un an et demi pratiquement, donc jusqu'à la fin de 1970, sans qu'il n'y ait un résultat quelconque. Comme parallèlement à cela, les choses étaient en train d'évoluer et d'évoluer très vite à travers le monde et dans le domaine pétrolier, partout il y avait eu des avancées spectaculaires, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud, dans d'autres pays africains, partout les prix étaient en train d'évoluer, les compagnies pétrolières présentes dans tous ces pays-là étaient cédées de plus en plus de leur pouvoir aux États producteurs, sauf il n'y a qu'en Algérie que les choses ne bougeaient pas et on espérait toujours les faire bouger dans le cadre donc de ces négociations algéro-françaises, puisque, encore une fois, c'était un face-à-face purement algéro-français. Et du côté français, bon, visiblement, on n'était pas décidé à céder sur ce plan-là. Des négociations ont duré un an et demi, 18 mois, c'est long de négociations. M. Bouteflika est venu, je ne sais pas, une vingtaine de fois à Paris, et M. Xavier Ortoli, chef de la délégation française, est venu autant de fois à Alger sans que ça ne débouche sur quoi que ce soit. Donc, puis finalement, les Algériens ont décidé de la nationalisation. Donc, est-ce qu'on sait qui a influencé Boumediene ? En ce qui concerne le principe de la nationalisation, ils sont deux hommes à avoir décidé ça. C'est Boumediene et Abdeslam. Hein. Ce sont eux qui ont décidé. Qui était ministre de l'énergie à l'époque. Hein. Qui était ministre de l'énergie. Bouteflika, qui était ministre des Affaires étrangères, n'était pas tout à fait chaud pour la nationalisation. Ouais. Lui aurait voulu que les choses continuent en l'état. La grande différence, si vous voulez, parce que ce qui a été nationalisé, c'est les gisements de pétrole ont été nationalisés à 51% simplement. C'est-à-dire que l'Algérie voulait simplement avoir le contrôle des opérations. Les gisements de gaz à 100%, chose qui avait été déjà admise dans l'accord de juillet 65, donc 5 ans auparavant. Et les gazoducs et oléoducs, donc le transport terrestre, a également été nationalisé à 100%. Bon, la différence dans les conceptions entre celle de Bouteflika et celle de Abdeslam et Boumediene, c'est que de ce côté-ci, enfin Abdeslam et Boumediene voulaient donc acquérir 51% sur l'ensemble des gisements. Bouteflika, lui, pensait qu'il pourrait obtenir 51% sur la totalité, sachant que quelque part il y aurait un 20% et ailleurs il y aurait un 80%, quelque chose comme ça, la moyenne de cet ensemble de pourcentages donnant un 51%. Ce qui aurait voulu dire que sur certains gisements, les compagnies françaises, entre autres, c'était la proposition française, que les compagnies françaises se concentrent sur Hassim et Saoud, détiennent pratiquement la totalité d'Hassim et Saoud, et que le reste de l'Algérie, enfin, le reste des gisements saharien, soit cédé à l'Algérie, et la moyenne faisant donc grosso modo ce 51%. Et c'était ça la grosse différence. Et bon. Alors dans votre livre, vous racontez bien sûr comment du jour au lendemain, comment pendant la nuit, avec cette annonce de la privatisation, de nationalisation des pétroles algériens, vous vous préparez à reprendre les clés d'Hassim et Saoud, par exemple. En ce qui concerne la prise en main totale d'Hassim et Saoud, ça s'est intervenu le 1er mai 1971. Ouais. Et vous racontez que ça s'est passé en une nuit. Oui, en une nuit, effectivement. Les équipes algériennes sont arrivées. Oui. C'est dans la matinée du 30 avril que les représentants de la Compagnie française de pétrole, donc de la CFP, m'ont annoncé à moi, puisque c'était moi qui étais responsable d'Hassim et Saoud, m'ont dit, nous partons ce soir, nous quittons l'Algérie ce soir, nous nous retirons. Et alors, il fallait, en quelques heures, il fallait préparer la relève et prendre
la suite des choses. Alors je vous dis pas, hein, la manière dont les choses sont passées, c'est folklorique. Mais bon, c'est dans votre livre, hein. il faut voir quand comment... Quand vous réunissez les gens et que vous leur demandez qui est capable de prendre la tête de tel ou tel service, les gars ne savaient même pas qui était à la tête de ce service. Ils leur disaient, c'est qui le chef du service forage? Je ne sais pas, je crois que c'est Bertrand, je crois que c'est Paul, je crois que c'est Pierre. Bon, et au bout d'un moment, l'unanimité se faisait sur Bertrand. Donc, on pense que c'est Bertrand qui... Parce qu'il ne savait rien. Il leur dit, bon, Bertrand s'en va demain matin. Est-ce que vous avez quelqu'un pour le remplacer? Ben oui, je pense que Mohamed serait le meilleur. Non, peut-être que Kader, lui, est peut-être un peu... etc. Et puis, l'unanimité se faisait autour de Saïd. Bon, allez hop, Saïd, tu es chef de service. C'est comme ça que les choses se sont passées. Hein. Alors, de ce que vous avez vu, puisque vous étiez aux affaires, hein, sous vos médiennes, à quel moment, on va dire que la gabegie sur la rente pétrolière algérienne a commencé? L'accaparement des ressources pétrolières a démarré très tôt, hein, déjà. Comme je l'ai dit, avec Messaoud Zeghar, qui était donc l'homme de Boumediene, lui et Chérif Gelal et d'autres ont déjà exploité le filon, mettons. Mais la corruption était quand même limitée, d'une part, et puis elle était téléguidée. Hein, on savait à quoi elle servait l'argent. Oui, à quoi servait cet argent. Les choses ont. La corruption a évolué d'une manière astronomique avec l'arrivée de Chadli Bendjedid au pouvoir. Et alors, avec l'arrivée de Bouteflika, alors ça a explosé. Maintenant, c'est tout le monde, hein, qui est... Qu'est-ce qui change avec l'arrivée de Bouteflika? Quand il arrive au pouvoir en 1999... Comme tous les présidents algériens, hein, il a été nommé par l'armée. L'armée qu'il a choisie, ce sont des généraux qui l'ont nommé. Sauf que, évidemment, on nomme un président, mais... C'est un président de façade, hein. C'est une marionnette que l'on met là et il a des pouvoirs, mais il a des lignes rouges à ne pas franchir. Et alors pour bien lui faire comprendre ça, parce que lui pensait probablement être plus malin qu'eux, en disant moi je suis un ancien ministre des Affaires étrangères, moi j'ai connu Kissinger, j'ai connu enfin, beaucoup de. Et donc je vais les avoir à la longue, ces gens-là. Donc pour le mettre en position de faiblesse d'emblée, ils se sont arrangés pour que les autres candidats à l'élection se retirent la veille du scrutin. Donc ils se retrouvaient élus, mais mal élus. Et donc, à ce moment-là, c'était déjà le premier clash, si vous voulez. C'est à partir de là qu'a démarré un peu cette lutte de clans. Et je dis, bon, maintenant, pour pouvoir s'affirmer vis-à-vis de ces gens-là, il avait certes officiellement le soutien du peuple algérien, mais un soutien qui avait été bien entaché d'irrégularité. Et puis, bon, comme on dit en Algérie, les Algériens votent, mais l'étranger élit le président. Donc, il lui fallait des soutiens étrangers. Et le soutien, quel meilleur soutien pouvait-il avoir que celui du président des États-Unis? Donc, ce qui fait que d'emblée, il a commencé à pencher vers les Américains pour essayer d'avoir le soutien de George Bush. Hein, Alors, il va chercher un vieil ami, Chakib Khelil, qui est un ami d'enfance. Hein, ils se connaissent d'où? Ah, ils se connaissent déjà depuis Oujda, depuis qu'ils étaient jeunes. Hein, ils ont été à l'école ensemble, ils sont nés tous les deux à Oujda, ils ont grandi là-bas. Bouteflika vivait chez Khelil, chez lui à la maison, parce que au sein de la famille de Bouteflika, le père de Bouteflika était marié à deux femmes. Et donc, il y avait une atmosphère très... pas très bonne au sein de la famille, tant et si bien que Bouteflika était pratiquement toute la journée chez son ami Khelil. Ils mangeaient chez lui, ils dormaient chez lui, ils allaient à l'école ensemble, ils jouaient ensemble. Bon, ils ont grandi ensemble, hein, et ensuite, en 1956-57, bon, ils se sont séparés. L'un est allé faire des études aux États-Unis, l'autre a rejoint la Wilaya 5, donc l'Armée de Libération Nationale. Et bon, les liens sont restés, hein, des liens de 20 ans ou plus. Et donc, il est allé chercher son ami le jour où il a été nommé. Un ami que vous connaissez bien, puisque vous l'avez croisé à la Sonatrach en 73. Oui, bien sûr. Bien sûr, oui. Vous avez travaillé avec lui.
Quand Cheikh Khalil est arrivé à la Sonatrach en 1973, c'est la première fois qu'il mettait les pieds en Algérie d'abord. Hein. Il est de parents algériens, mais il avait de tout temps vécu au Maroc. Quand il a quitté le Maroc, c'est pour aller faire des études aux États-Unis. Il a obtenu un diplôme d'ingénieur, il a même PhD, un doctorat aux États-Unis. Il a ensuite travaillé dans une entreprise américaine. Il n'a pas pensé venir en Algérie. Nous sommes allés le chercher hein, aux États-Unis au cours d'une mission. Un des premiers ingénieurs également de la Sonatrach, qui lui-même avait fait ses études aux États-Unis, qui le connaissait, qui l'a vu et qui lui a dit « Pourquoi tu ne viens pas nous rejoindre toi aussi à la Sonatrach ?» Bon, c'est comme ça qu'il est venu donc en 1973. Et il se trouve qu'à ce moment-là, moi j'étais déjà directeur de la production et c'est moi qui l'ai accueilli au sein de la direction de production. Hein, Bon, alors en tout cas, ce n'est pas vous qui l'accueillez en 1999, mais c'est le président Bouteflika qui va le chercher. Il travaille aux États-Unis. Chakib Prelil, vous racontez dans votre livre, traîne un peu les pieds pour venir. Hein. Il y met une condition financière. Chakib Prelil a passé donc 73 et 79, grosso modo, jusqu'à la mort de Boumediene. Il est resté en Algérie, il est reparti à nouveau aux États-Unis à ce moment-là. Et là, il a été à la Banque mondiale, il a obtenu donc un poste à la Banque mondiale. Il y est resté encore une vingtaine d'années, donc jusqu'en 1999. Et c'est au cours de lors de l'Assemblée générale des Nations Unies d'octobre 1979, que M. Bouteflika est allé à New York pour participer à cette réunion. Et comme il était en train de constituer son équipe, il devait avoir déjà en tête, bien entendu, qu'il prendrait Khalil, son copain. Il l'a rencontré à cette occasion-là et il lui a proposé donc de le prendre. La condition financière qu'a posée Khalil, c'est qu'il était sur le point, je pense, de terminer son mandat à la Banque mondiale, ou en fait, tout au moins, s'il quittait la Banque mondiale à ce moment-là, sa retraite aurait été amputée d'un certain nombre de points, ou enfin, il aurait eu une perte financière, mettons, sur sa retraite. Et il a exigé de Bouteflika, il dit, bon, d'accord, je veux bien venir, mais à condition que tu prennes la différence. La différence, que je n'y perde pas d'un point de vue financier. Voilà. Vous racontez dans votre livre que finalement, Chakib Prelil est celui qui a failli vendre les pétroles algériens aux Américains. Ah oui, ça incontestablement. Ce Chakib Prelil est arrivé pour moi, pas uniquement pour moi, il y a énormément de gens en Algérie qui le pensent, au sein du pouvoir lui-même. Que Chakib Prelil était envoyé par les Américains pour transférer le secteur pétrolier algérien aux Américains. L'homme de bouche. Ah oui, ça c'était la mission dont il était chargé. Ça, les gens sont convaincus, personnellement j'en suis convaincu. Hein. Et donc il a tout fait pour aboutir à cela. Et il a donc créé cette loi en 2001, tout de suite dès son arrivée, en parallèle avec une nouvelle loi qui venait d'être mise en place aux États-Unis. Et c'est la loi algérienne entre complètement dans le cadre de la loi américaine. C'est simple. Les Américains avaient dans la liste des pays sur lesquels ils comptaient pour prendre le contrôle, dont ils pensaient prendre le contrôle. Des réserves de pétrole dans le monde. L'Algérie, dans leur liste. Et donc, il fallait changer la loi, faire en sorte que dorénavant, les compagnies pétrolières ne soient pas uniquement propriétaires de leur production, mais soient propriétaires des richesses du sous-sol. À partir du moment où elles avaient une concession, qu'elles deviennent propriétaires également des richesses du sous-sol. Et c'était ça la loi de 2001, la loi de Khalil, puisque dorénavant, selon cette loi, la compagnie nationale ne pouvait détenir qu'un maximum de 30% d'intérêt sur tout gisement pétrolier, les autres 70% appartenant donc à une compagnie pétrolière étrangère, à condition que la compagnie pétrolière veuille bien proposer à la Sonatrach qu'elle prenne une participation. Et si la Sonatrach le refusait, donc la compagnie avait les 100%. La loi est votée, elle a été votée, mais le président Bouteflika, in fine, a refusé de signer les décrets d'application. Alors vous dites que finalement, l'Algérie doit une fière chandelle à Hugo Chavez. Enfin, la saga de la loi pétrolière, de cette loi, a duré quand même 4 ans. De 2001 à 2006. À 2005. Et d'abord, il y a eu la loi a été gelée
parce que d'abord il y a eu une levée de bouclier quand la loi a été proposée par Khalil en 2002. Il pensait la présenter à l'Assemblée nationale pour approbation, pour qu'elle devienne une loi. Alors là, il y a eu une levée de bouclier de la part de tout le monde, y compris du Premier ministre de l'époque, qui a mis la loi sous le coude, enfin, le texte de loi, il n'a pas voulu le présenter à l'Assemblée nationale. Et le syndicat du GTA s'est mis en grève et il voulait déclencher une grève illimitée. Ahmedou Yahia était déjà Premier ministre à l'époque ? Non, c'était le... Comment s'appelle-t-il le, Benflis. Benflis, voilà. Donc Benflis avait bloqué cette loi, il ne voulait pas la présenter à l'Assemblée nationale. L'UGTA avait lancé un mot d'ordre de grève illimité pour s'opposer à cette loi. Et c'est grâce à cette grève qui a démarré, il y a eu 48 heures de grève, et elle devait durer en principe jusqu'à ce que la loi soit retirée. Et à ce moment-là, bon, Bouteflika a décidé de geler la loi. Il faut dire que ça se passait, c'était en 2003. C'était un an avant la réélection, donc avant le scrutin. Et là, il savait que, oui, par ailleurs, il y avait également des services secrets qui étaient contre. Et entre autres, ils l'ont fait savoir par plusieurs canaux qu'ils étaient contre cette loi. Et donc, s'il avait les services secrets contre lui et les syndicalistes contre lui, il n'avait aucune chance d'être réélu. D'où son désir de geler la loi. Donc, il l'a gelée, mais... Dès le lendemain de sa réélection, quelques mois après, hop, il a remis la loi sur le tapis et là, la loi a été votée. Il est passé à l'Assemblée nationale et elle a été donc adoptée. Mais à ce moment-là, il a bloqué les décrets d'application qu'il n'a pas signés. Et là, on revient à la lutte de clans parce que la loi, entre-temps, les choses avaient évolué à travers le monde. Or, Chavez n'a rien à voir avec tout ça. Pour le moment, n'a rien à voir. C'est d'abord la lutte de clans qui a fait que la loi est restée un peu en suspens. Mais il pensait la mettre en application. Hein. Il pensait signer le décret d'application. Et l'intervention de Chavez a été décisive. Donc lui, alors en 2006, lui était, au cours d'une rencontre à Alger, il a carrément fait comprendre. Parce que si cette loi avait été adoptée par l'Algérie, ben, c'était, vous savez, c'est des dominos. Hein. Ensuite, c'est tous les pays producteurs de l'OPEP qui seraient passés également au même système. Parmi ces pays-là, il y en avait certainement qui n'attendaient que quelqu'un fasse le premier pas pour qu'ils en fassent autant, et d'autres qui peut-être tout simplement auraient eu peur de représailles de la part des Américains ou autres et qui auraient adopté la même loi. Donc c'était la fin de l'OPEP, hein. C'était pas uniquement l'accaparement des ressources pétrolières algériennes, mais l'ensemble des ressources pétrolières des pays de l'OPEP qui seraient passées entre les mains des Américains. Et c'est là où l'intervention de Chavez a été décisive. Il dit, voilà où tu nous mènes, avec ta loi, voilà où on va. Et là, il l'a retiré complètement. Alors j'aimerais qu'on revienne sur un secret de Polichinelle, c'est les bases américaines à Tamen Rasset, en tout cas les bases américaines en Algérie. L'hebdomadaire Le Canard Enchaîné révélait il y a quelques jours ce que vous révélez dans votre livre, hein, et ce qui se murmure dans la presse algérienne depuis des années, c'est la présence sur le sol algérien de bases militaires. Donc vous vous dites hein, dans votre livre, une base militaire existe à Tamen Rasset, elle est découverte au moment d'une affaire, d'ailleurs, que vous révélez également dans votre livre. Cette base militaire de Tamen Rasset, à quoi sert-elle ? Bah, c'est une base militaire, donc elle sert à des besoins militaires. À quoi sert-elle ? Alors, l'histoire de cette base tient à au moment auquel les Américains ont commencé à s'intéresser au Sahel. Le déclencheur, ça a été la découverte de pétrole au Tchad. Et là, ce sont des compagnies américaines qui ont commencé à exploiter ce pétrole. Et donc, auparavant, il y avait le Nigeria, il y avait le Cameroun qui a un peu de pétrole, l'Algérie, la Libye, mais qui n'était pas, la Libye en particulier, qui n'avait pas de bonnes relations avec les États-Unis. L'Algérie, il y avait cette histoire de loi qui faisait que, bon, ça balançait entre... oui, je t'aime, moi non plus. Et puis, il y a eu donc la découverte de pétrole au Tchad. Et il y a eu également des compagnies pétrolières qui ont intervenu au Ghana, des compagnies pétrolières américaines. Enfin bref, tout ceci pour dire que les intérêts pétroliers américains sont devenus très importants. Et donc, les Américains ont voulu intervenir dans le Sahel. Ça rentrait complètement dans le cadre de la politique de George Bush, qui, lui, l'essentiel de sa...
des actions qu'il a enclenchées durant sa présidence sont des actions basées précisément sur la recherche des sources d'énergie et la recherche de pétrole. Il y a eu la guerre en Afghanistan, la guerre en Irak, etc. Enfin, toute une série de choses. Et donc le Sahel. Alors, à partir du moment où l'armée américaine voulait s'installer dans le Sahel, il leur fallait des bases. Ils ont sollicité les Algériens qui ont dit d'accord et qui se sont mis à réaliser une base donc, à Tamanrasset par l'intermédiaire d'une compagnie algéro-américaine. Ce qui fait elle-même filiale d'une autre compagnie. Halliburton, dont le président était Dick Cheney, vice-président des États-Unis. Donc les choses se passaient en famille, je dirais, entre d'un côté des Américains et de l'autre côté les Algériens qui étaient enclins, disposés à leur accorder donc, cette base. Et donc cette base a été construite par BRC, donc la compagnie algéro-américaine. Elle a sous-traité un certain nombre de choses à des entreprises canadiennes, etc. Et les gens sur place le savent, les gens de Tamanrasset. Aujourd'hui, cette compagnie n'existe plus. BRC a été dissoute après ça. Elle a été dissoute en 2007, précisément à la suite, entre autres, de ce scandale. Alors là aussi, on rentre encore une fois dans la lutte des clans. D'un côté, on révèle qu'il y a une base qui a été créée. De l'autre côté, alors pour se venger, l'autre côté révèle qu'on a acheté ce que l'on a appelé des mallettes de commandement chez les Américains, des trucs, des sortes d'ordinateurs super sophistiqués dans des mallettes dont disposaient tous les officiers supérieurs de l'armée algérienne, tant et si bien que tous les secrets de l'armée algérienne étaient entre les mains de la CIA, etc. Enfin bref, il y a toute une série de choses qui ont fait que des deux côtés, et du côté du DRS et du côté du président, ils ont dit il vaut mieux que l'on calme le jeu, on ne parle plus de cette base. Et bon, mais en tout cas, la base existe toujours aujourd'hui, toujours active. La base existe, elle n'est plus officiellement, même à l'époque, officiellement, elle n'était pas une base américaine, elle était mise à disposition de l'armée américaine. Est-ce qu'il y a encore des troupes américaines aujourd'hui? Je ne sais pas s'il y a des troupes américaines. Il y a peut-être des troupes qui passent éventuellement, parce qu'ils ont des droits d'atterrissage, ça c'est certain. Il y a d'autres bases américaines aux États-Unis aujourd'hui, en Algérie aujourd'hui? Pas à ma connaissance. Je crois que c'est la seule. Et elle n'est plus à disposition. À l'époque, c'était carrément une base pour l'armée américaine. Une base, certes, officiellement algérienne. On ne pouvait pas leur accorder même le titre de propriété de la base, mais la jouissance, oui, elle est totalement à disposition de... Alors, une question qui reste sans réponse dans votre livre, Boudiaf, le président Boudiaf, a été assassiné à cause du pétrole? Pas à cause du pétrole. À cause d'intérêts liés au pétrole, selon vous? Surtout à cause... Oui, on peut dire ça à la limite. Parce que la raison essentielle, c'est parce qu'il a commencé à essayer d'enquêter sur les fortunes accumulées par les gens qu'il avait ramenés au pouvoir, c'est-à-dire le groupe des généraux janviéristes, comme on les appelle, ceux qui ont fait le coup d'État de janvier 92. Et il a commencé à enquêter, il a délégué des hommes à lui qui enquêtaient en dehors de tout circuit officiel, et c'est quand ils se sont aperçus, bon, ils disent « ce président devient trop dangereux pour nous, donc il faut qu'on... » On s'en débarrasse. Alors cet argent du pétrole algérien dont on parle de milliards de dollars, est-ce qu'on sait vraiment combien est-ce qu'il rapporte par an? Aujourd'hui? Aujourd'hui, grosso modo, une cinquantaine de milliards par an. Voilà, quelles sont à peu près les recettes de l'Algérie. Sur voilà, c'est... Un ordre de grandeur, c'est ça. Qu'est-ce qu'il vous reste, vous, qui avez été un des pionniers de cette aventure pétrolière algérienne? De l'amertume, certainement. Oui. Beaucoup d'amertume, de voir comment les choses ne sont pas gérées d'abord et avant tout, et de voir qu'est-ce qui a été fait de ce pétrole. Le pétrole qui était destiné à faire le bonheur de tout un peuple. Ben, au contraire, il a fait le malheur de ce peuple. Et ce sont les dirigeants qui ont fait ça. La guerre civile en Algérie aujourd'hui en est une des conséquences également.
Et aujourd'hui, alors, vous, après 75, vous n'avez plus jamais retravaillé dans le pétrole en Algérie ? En Algérie, non. Pourquoi ? Parce que vous avez quitté la Sonatrach parce que vous aviez décidé de le faire, hein, en fait. Je suis parti de la Sonatrach, bon, ça, c'est des affaires mais c'est important. Internes. Importantes, oui, si l'on veut. Bon, mais je n'étais pas d'accord sur un certain nombre de choses, sur la manière dont les choses s'étaient gérées. Bon, mais néanmoins, bon, je suis parti officiellement, dépêché par le gouvernement algérien, nommé donc à Koweït, en tant que conseiller technique du secrétaire général de l'OPAEP, mais officiellement, j'ai été nommé ensuite directeur général d'une compagnie, donc l'Arab Petroleum Services Company, qui est une grosse compagnie créée par les pays producteurs, les pays arabes producteurs de pétrole. Donc il y avait 10 pays qui étaient actionnaires de cette compagnie, compagnie qui avait un capital de 300 millions de dollars, et j'ai été nommé directeur général en tant que candidat de l'Algérie, hein, à ce poste-là. Bon, j'ai fait un mandat de 5 ans au sein de cette compagnie, et puis en 1982, c'était terminé, je suis rentré chez moi. Entre-temps, il y avait eu un changement de régime, et bon, le ministre de l'époque ne voulait pas entendre parler de tous les gens qui avaient été dans le secteur. Il avait déjà limogé tout un tas de gens. Il s'était débarrassé de tous ceux qui avaient travaillé dans le secteur avant lui. Il n'en voulait pas. Tu cherchais à revenir à la Sonatrach, on m'a dit non. Tu cherchais à revenir au ministère de l'Énergie, on m'a dit non. Bon, mais tant pis. Voilà, et aujourd'hui, vous racontez vos souvenirs. Histoire secrète du pétrole algérien aux éditions La Découverte. Vous avez tout dit dans ce livre ? Est-ce que vous vous êtes censuré ? Non. Non, je n'ai pas cité de nom. Mon travail, ce n'est pas de citer des noms. Je sais un certain nombre de choses, je n'ai pas dit. Je ne veux pas citer de personne, de nom de personne. Voilà. Pas de procès nominatif. Non. Ce genre de choses, je ne le fais pas. Je ne suis pas un délateur. Merci d'être venu nous voir au Cinemalti. Puis merci à la Cité des sciences et de l'industrie de nous avoir accueillis aujourd'hui au sein de cette exposition permanente sur les énergies, avec devant nous un mur d'images interactives sur une exposition qui a ouvert il y a quelques jours. Merci à vous de nous avoir regardés, de nous avoir suivis. À très bientôt et bonne soirée sur Berber Télévision.